Et yo les gars, c'est Momipol pour une nouvelle vidéo, même première vidéo sur Pokémon Master. Donc les gars, là ce sera une vidéo assez rapide, simple. Donc comment bien débuter et vite avancer dans l'aventure de Pokémon Go seulement avec les personnages donnés dans le jeu. Donc vous allez débuter le jeu avec cette team. Donc c'est la team de base, donc voilà c'est ça là. Donc c'est avec Vipélière, Pikachu, Onix. Donc avec cette team, vous allez aller jusqu'au chapitre 5. Ouais, chapitre 5. Chapitre 5, vous allez avoir un Pokémon qui sera hyper important par la suite, vers la suite des chapitres. Donc ce sera Lakmessine. Donc à partir de là, vous chopez Lakmessine et vous allez l'échanger avec le Onix de Pierre. Donc vous mettez donc après votre team, ce sera Vipélière, Lakmessine et Pikachu. Donc après ça, vous allez up vos Pokémon dans la zone bonus et dans le test de renforcement. Donc vous fermez le test de renforcement normal et vous allez up tous vos Pokémon level max. Après ça, vous allez évoluer votre Vipélière en Lianaja, je crois. Vous allez dans l'épisode duo et vous cherchez votre perso, donc c'est Echo. Echo, voilà. Et du coup, vous allez l'évoluer. Donc, il y aura la quête qui va apparaître ici. Donc, vous allez évoluer votre Vipélière en Lianaja. Donc, il vous faudra des pierres d'évolution. Les pierres d'évolution, vous les achetez dans le shop Pokémon. Donc, le shop Pokémon, il se trouve ici, là où vous invoquez. Donc, c'est la troisième case. Donc, l'échange d'objets. Ils vont apparaître ici. Ils coûtent à peu près 1000 gold. Donc, c'est rien du tout. Donc après, dès que vous aurez évolué votre Vipélière en Lianaja, vous allez faire le chapitre 6. Donc là, le chapitre 6, c'est là où vous chopez le Lucario. Et du coup, là, ça va changer votre vie parce que c'est pour moi l'un des meilleurs Pokémon du jeu. Il fait hyper mal. Donc votre compo, ce sera Vipélière, Lucario et... Lianaja, Vipario, Lucario et Lakmessine. Donc après avec cette compo, vous allez encore level up vos persos parce que vous allez débloquer le Limit Break. Donc Limit Break, c'est pour donner plus de level à vos Pokémon, donc ils dépassent leur level max. Donc là cette fois-ci vous allez monter Lianaja en level 60 et vous allez refaire l'épisode duo et cette fois-ci la monter en Majestic. Et du coup avec Majestic, Lucario et Lakmessine, vous allez aller jusqu'au chapitre 15. Et à partir du chapitre 15, les gars, vous changez votre Lucario par le Raichu d'Alola. Et là, vous allez aller hyper loin. Là, moi, je suis au chapitre 18. Je bloque un peu, mais j'ai trouvé une strat. Et du coup, vous faites ça et vous allez hyper loin dans l'aventure. Et voilà, du coup. Après, en termes de Pokémon... j'ai pas testé les autres, mais ils ont l'air d'être bons. Surtout le Cinabras donné par le conseil. Par le conseil 12, enfin chapitre 12 et chapitre 13, il y a le Hipporoi qui est aussi très bon dans la tier list. Donc il faudrait que je les teste un jour. Mais sinon pour le moment, en personnage donné que j'ai testé, ils sont Lucario et Raichu sont vraiment au top. Donc la stratégie à faire avec cette compo, en fait, vous allez tout miser sur Lucario. Donc vous allez full buff Lucario parce que Majestic, elle va up votre attaque spéciale. Le Lucario, il va se up lui-même en attaque basique. Et le Lakmessine, en fait, il va augmenter la vitesse et de l'armure. Donc ça, c'est bien. Enfin, je sais pas ça à quoi, mais bon, c'est bien. Et du coup, il va faire hyper mal sur ça et sur ça, vous allez aller hyper loin. Donc voilà, les gars, c'était Moipol. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre petit pouce bleu et à plus pour une nouvelle vidéo.